C'est Niska34 et aujourd'hui mes petits loups, on se retrouve pour notre vidéo ASMR du mois. On se retrouve pour la vidéo Bullet Journal de août. J'espère que votre mois de juillet s'est bien passé. Merci pour tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire, ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci à vous mes petits noobies, n'est-ce pas? Donc comme d'habitude on fait le récapitulatif du mois par rapport à la vidéo du mois dernier. Vous étiez mais vraiment hyper nombreux à me dire non, on n'arrête pas, on aime bien cette vidéo, elle est super cool, elle est calme, elle est détendue, ça me ferait un peu de la peine si tu l'arrêtais. Du coup je vous la continue, pourtant rien n'a changé, hein. J'ai laissé les mêmes trucs que d'habitude, mais bon, si ça vous plaît c'est le principal, n'est-ce pas? Du coup, petite rétrospective du mois, comme vous voyez, le planning vidéo blog, il n'y a rien qui a été fait. Mais alors, zéro, j'ai même pas noté une semaine. Juillet était très compliqué pour moi, mais vraiment très, très, très compliqué. Bah, vous pouvez voir sur le mood tracker, n'est-ce pas? Rouge, c'est fatigué, et vert, c'est triste. Et rose productive. Donc, en gros, mon mois s'est résumé à être très fatiguée, un peu triste, et en fait le rose correspond à mes week-ends, puisque le week-end bah, en gros je fais toutes mes vidéos, tous mes montages, etc. On aura, au moment en fait où j'ai tourné cette vidéo, il me reste encore 5 jours en fait, donc il me manque juste 1000 mots d'Honora. Je suis un peu deg, parce que j'avais fait le plus chiant, n'est-ce pas, et j'ai failli à la dernière semaine, j'ai pas eu le temps pour la boutique, normalement c'était pour le 15 août que je devais la préparer, mais ce sera absolument pas possible, et le planning des corrections, comme vous voyez, j'en ai fait 0. Parce que j'ai vraiment, vraiment pas eu le temps. Ça a été un mois très compliqué pour moi, juillet. Du coup, j'attaque août avec des bonnes intentions. Et j'ai ma petite Stram qui miaule. Donc si vous entendez des miaulements de chat, c'est ma petite Stramout. Donc comme d'habitude, les petits objectifs du mois. Avec livres, films, le but à atteindre, les trucs à faire. L'événement du mois. Vous voyez, le mois dernier, j'ai quand même noté des trucs, hein. Quand même, n'est-ce pas? On passe à mon planning, puisque moi c'est primordial que j'ai mon petit planning de vidéos et de live. Donc le planning du blog, à voir si j'arrive à mieux le tenir, mais je ne pense pas, puisque là j'ai déjà pas sorti l'article de lundi, donc c'est mal parti mon histoire, n'est-ce pas? Honora du coup l'écriture, hein, et puis le planning des corrections, en espérant cette fois pouvoir un peu bosser les corrections, mais vu que dernière semaine de août, je suis en vacances, je vais peut-être enfin pouvoir... penser à autre chose que les vidéos, puisque je vous tournerai tout d'avance vu que je ne serai pas chez moi. Donc je pourrai peut-être un peu plus écrire, ce genre de choses. Et surtout me reposer, parce que je suis très 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 fatiguée. Comme vous pouvez le voir, comme je vous avais dit le mois dernier, j'avais envie de tester tous les tampons. Donc vous voyez, j'en ai quand même pas mal. La plupart viennent de Action, sauf celle avec le Believe in Your Dream, c'est la petite bicyclette là, qui vient de Cdiscount. J'avais dû le payer moins d'un euro, et parce que ça venait d'un site chinois, enfin ça venait d'un vendeur chinois du coup. Il a été très loin à arriver, il a mis 3 semaines je crois, un mois, mais c'est mon tampon, enfin c'est ma plaque de tampon préférée en fait, c'est celle que je préfère. Du coup là j'étais en train un petit peu de regarder, n'est-ce pas, de choisir, hello, on part sur quoi, n'est-ce pas. Là, du coup, j'ai pris la plaque, vous savez, qui me permet d'avoir les tampons à plat, de bien pouvoir les aplatir. Je vais essayer de vous montrer, en fait, elle est toute, toute griffée. J'étais genre, mais qu'est-ce que c'est que ce bins, elle est neuve. J'étais un peu deg. Et donc, bon, je me suis dit, bon, ça changera rien, n'est-ce pas. Et donc, pour août, j'ai voulu partir sur un attrape-rêve, puisque qui dit vacances, dit rêve. Voilà, moi, je ne rêve que de mes vacances. En ce moment, le boulot, je fais du 39 heures semaine, au minimum, je pense. Et en plus de la chaîne, etc., d'Honora, bref, c'est compliqué, j'ai des problèmes un petit peu perso, donc j'avoue que là, les vacances, j'en rêve, mais c'est ma lueur, tu vois, c'est ma lueur au bout du tunnel, c'est ma lueur d'espoir, parce que là, vraiment, je suis très très fatiguée. Du coup, j'ai voulu agrémenter avec d'autres petits trucs, donc l'attrape-rêve, un espèce de cerf-volant, j'ai jamais su comment ça s'appelait ce truc-là, de petit cerf-volant. J'ai essuyé pour éviter qu'il y ait des traces un peu moches partout autour, hein, quand même. Et vous allez voir, j'ai certains tampons qui vont plus ou moins bien passer. Je vous explique, je n'ai pu filmer que cette partie-là. J'avais filmé une deuxième partie qui ne s'est pas enregistrée. Je ne sais pas pourquoi, puisque j'avais bien regardé et mon appareil filmé. Mais il ne m'a juste pas compté. Enfin, il ne l'a pas pris en compte. Donc mon appareil qui commence à me faire de plus en plus des siennes, hein, n'est-ce pas. On avait eu le problème avec Harry Potter. Donc je pense qu'il va falloir que j'investisse dans un nouvel appareil. Je suis ravie. J'en ai pour au minimum, au grand bas mot, 450 euros sur un site chinois qui livre en France. C'est un site français mais qui importe directement de Chine. Et sinon l'appareil coûte 600 balles, autant vous dire que je suis ravie, voilà. Donc bon,
Voilà, vous aurez que cette partie-là en filmé. Je vous ai mis après des petites photos, mais j'ai fait ça avec mon téléphone, j'ai pas mis dans le bon sens, donc c'est un peu moche, mais au moins vous verrez un petit peu ce que j'ai fait. Mais désolé, c'est vraiment la vidéo de la débandade ce mois-ci. Voilà, les vacances qui ne passent pas très bien déjà. Mon mois d'août qui commence très fort. Hein. On a l'habitude avec moi que rien ne se passe comme prévu. Et ben, je vous le confirme, n'est-ce pas, parce que... je suis morte. Ah, puisqu'en plus, je n'aime pas du tout la couverture que j'ai faite. Je la trouve particulièrement moche. Je pense que j'aurais juste dû mettre la trappe rêve, en fait. Ce serait peut-être un peu mieux passé, parce que là, je ne trouve pas ça beau. Je veux pas vous mytho, je n'aime pas du tout. Je préfère encore mes petits dessins, en fait. Parce que là, c'est pas jojo, en fait. Donc, un petit peu déçu, ce mois d'août ne commence pas super bien, n'est-ce pas? Bon, c'est pas grave, parce que je vous montrerai mon petit mood tracker, lui, que je trouve un petit peu mieux, avec un meilleur esprit festif, on va dire. Donc, malgré la plaque, eh ben, j'ai tout qui ne s'imprime pas, voilà. Je sais pas si c'est parce que j'appuie pas assez fort, ou je mets pas assez d'encre, il ne sait pas, mais je n'ai pas encore la main, visiblement, sur le tampon. Oui, normalement, n'importe quel enfant de 3 ans y arriverait, j'en ai 23 aujourd'hui, et j'y arrive toujours pas. Voilà, ça c'est l'histoire de ma life. Donc vous ne verrez pas la colorisation jusqu'au bout de ce magnifique chef-d'œuvre I2, mais je vous ai mis le final, on va dire ça comme ça. Donc, on va pas tarder à arriver aux photos, je suis désolée de la qualité que ça donne, je sens que Stram va faire tomber un truc, ça va faire un gros boom, je le sens. Oh, oh la pue du cul. Oh ça pue, Stram, ne fais pas ça. Elle s'en fout. Je vais sur contre Carl Coquillard. Elle va me faire de conneries. Donc du coup, j'étais partie sur un petit thème, plume violette. J'avais essayé de mettre des couleurs un peu festives, mais ça n'a pas donné des trucs super cool. Comme vous pouvez le voir, voilà, avec mon téléphone. C'est pas ouf, hein. En plus les bandes noires, tout ce que je déteste. C'est vraiment la vidéo la plus nulle de la Terre, je pense. Non, je suis pas satisfaite, mais... J'ai vu un peu tard en fait qu'il me manquait l'autre partie de la vidéo et puis j'ai pas trop le temps de la retourner, donc on va faire avec. Comme vous voyez, ça passe à travers, les tampons passent à travers parce que c'est du papier pas très très fin en fait, donc ça donne assez moche, n'est-ce pas? Si vous regardez à faire, j'ai plus la mutuelle, je l'ai enfin faite. Voilà, c'était juste ce que j'avais à dire. Je crois que c'est déjà le mois dernier, elle était déjà partie, mais on l'a eu tellement longtemps que du coup ça m'a traumatisée. Notre petit mood tracker en mode petit verre de cocktail, n'est-ce pas, you know, toi-même tu sais. Vacances est égal verre à cocktail. Voilà, pour moi dans mon esprit, c'est verre à cocktail. On kiffe la life, tu vois. Donc on est parti sur ça. Honora, bah du coup j'avais des tampons cactus. Et comme vous savez que les Honora, je mets toujours des petites plantes ou nettes, des petits trucs comme ça, bah du coup j'ai mis une petite plante, des petits cactus, n'est-ce pas? Et du coup pour les corrections, je suis aussi tout simplement partie sur un petit tampon cactus, mais un autre tampon qui n'est pas très bien passé celui-là, vraiment pas bien. Et du coup sur cette magnifique photo de l'extrême que je vais vous laisser, désolée pour la qualité de la vidéo qui n'est pas ouf, ça s'appelle les aléas de la vie, hein, et de YouTube en l'occurrence. Mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon moment ASMR en ma charmante compagnie, n'est-ce pas? Moi, je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime tous, au revoir, ciao ciao!